Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Laurence Descartes, présidente directrice du Musée du Louvre, et c'est une très grande joie pour moi de vous accueillir ce soir à l'auditorium Michel Laclotte. Nous inaugurons donc la 14e chaire du Louvre, que nous avons cette année souhaité confier à un très grand historien de notre temps, Pierre Singara-Velloux. Je suis très heureuse qu'il ait accepté cette invitation et je voudrais au nom du Louvre vous exprimer notre très grande reconnaissance, cher Pierre, d'avoir accepté de relever ce défi, à la fois immense, passionnant bien sûr, et particulièrement exigeant, et j'ajouterai dans des conditions de contraintes temporelles particulièrement stressantes. Pierre est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a également été élu par la British Academy Global Professor au King's College de Londres. En l'espace de quelques années seulement, son écriture historique, qui parvient avec beaucoup de finesse à se saisir de sujets d'une très grande ampleur, l'a distingué comme l'une des voix en France de ce champ qu'on appelle l'histoire mondiale ou l'histoire globale. Dans vos travaux, vous vous intéressez en particulier, cher Pierre, à l'histoire des grands impérialismes et de la mondialisation au XIXe et XXe siècle, et de plus en plus à l'histoire mondiale des musées et des collections. Après avoir participé à la conception des expositions « Le monde vu d'Asie » au musée Guimet et « Mapping the World » à la Bibliothèque nationale de Singapour, vous avez développé de 2019 à 2021 le projet « Les mondes d'Orsay » pour donner à voir la présence du monde dans le grand musée patrimonial du XIXe siècle. J'en étais alors la présidente et ce fut un grand bonheur de travailler avec vous, cher Pierre. Je me réjouis que cette collaboration se prolonge ici, au musée du Louvre, avec ce thème d'une réelle acuité, d'une très grande contemporanéité aussi. Car le sujet sur lequel vous avez souhaité vous pencher à l'occasion de cette chaire n'a rien d'anodin. Il est même pour la présidente directrice que je suis tout à fait essentiel. Vous allez au cours de ces 5 conférences lever le voile sur les tentations encyclopédiques du Louvre au XIXe siècle en menant l'enquête sur ces musées disparus. Et vous allez au fond tenter de répondre à cette question cruciale, de quel musée le Louvre est-il vraiment le nom ? Voilà plusieurs mois que vous êtes retourné dans les archives pour repeupler les salles de ce musée de tous les objets venus d'ailleurs qui ont un jour fait entrer le monde au Louvre. Vous évoquerez ce soir la présence de l'ethnographie au Louvre, puis au cours de la semaine, celle de l'expansion ultramarine et de l'archéologie impériale et coloniale. Vous prolongerez cette enquête jeudi et vendredi en vous centrant sur la question des regards que le Louvre porte sur l'ailleurs. L'Espagne et au-delà l'Orient et même l'Extrême-Orient. Vous tenterez en même temps d'évoquer les regards que porte l'ailleurs sur le Louvre dans un dialogue croisé particulièrement fécond. Cette passionnante enquête montrera combien depuis 1793 le musée du Louvre n'a cessé de se métamorphoser. Il n'est bien sûr pas arrivé au terme de sa réinvention. Et si je disais que votre travail est essentiel, cher Pierre, c'est qu'il nous permet de nous interroger, de regarder notre passé le plus lucidement possible et de faire face aussi parfois aux parts les plus sombres de cette histoire. Nous avons besoin d'un esprit aussi précis et aussi ample que le vôtre, cher Pierre, pour nous aider à porter sur l'histoire de notre institution ce regard critique pour mieux l'aider à relever les défis qui l'attendent aujourd'hui. Je compte beaucoup sur votre travail, sur votre pensée, pour nous aider à réfléchir à la meilleure façon de conjuguer le message du Louvre au présent en questionnant son passé. Ce que le musée a voulu être, ce qu'il aurait pu être, ce qu'il a finalement été, ce sont les questions que nous devons nous poser pour mieux définir le Louvre d'aujourd'hui. Lui qui n'est au fond ni un musée encyclopédique, ni tout à fait un musée universel, mais qui n'est pas non plus seulement un grand musée d'art ancien.
Nous devons nous poser ces questions et n'en négliger aucune. Dans quel contexte ces œuvres, ces objets sont-ils arrivés au Louvre? Quelle était la fonction politique de ces galeries dont vous allez retracer l'histoire? Que nous disent-elles de la vocation et du projet de ce musée dont nous avons hérité aujourd'hui? Vous qualifiez ces galeries disparues et leurs objets de fantômes. Vous n'auriez pas pu, je crois, trouver de plus juste formule. Tels des membres fantômes, on ressent encore leur présence malgré leur disparition. Et comme dans les vieilles maisons, ces fantômes effraient parfois ceux qui s'en approchent. Un très grand merci donc, cher Pierre, de nous aider à poser toutes ces questions d'importance. Depuis 14 ans, la chaire du Louvre est l'occasion pour un grand penseur de notre temps de réfléchir à l'histoire et au sens de nos collections. Je souhaite qu'à l'avenir, elle nous permette, comme cette semaine, de nous poser encore davantage des questions comme celle-ci, qui font du Louvre un grand lieu contemporain de dialogue et de débat, un lieu qui donne des clés pour mieux comprendre notre monde et ses enjeux. Je voudrais remercier très sincèrement M. Henri Schiller, cher M. Schiller, mécène fondateur de la chaire du Louvre. C'est grâce à vous, cher monsieur, et à votre générosité que nous pouvons organiser ce très beau cycle de conférences. Merci d'être si fidèle au Louvre et de continuer à nous accompagner. Je tiens aussi à remercier les équipes de l'auditorium, à la production et à la régie, tous extrêmement investis dans l'organisation de ce cycle. Un grand merci en particulier à Yukiko Kamijima, qui a été à vos côtés, cher Pierre, tout au long de la préparation de cette chaire. Je voudrais également saluer la présence des étudiants de l'École du Louvre et de Sciences Po qui participeront sous votre conduite à la masterclass qui prolongera cette chaire dans les prochaines semaines. Je voudrais enfin rappeler que l'ensemble des conférences seront disponibles très bientôt en rediffusion sur notre plateforme Louvre Plus, accessible depuis notre site internet, et qu'elles donneront lieu au cours de l'année prochaine à une publication inédite coéditée par le Louvre et les éditions Azan. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de conférences et cède à présent la parole à Pierre Singara-Vellou. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour cette présentation très généreuse. Je vous remercie également pour cette chaire dont le sujet cette année vous doit tant. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Transportons-nous à Paris en 1851, au mi-temps de ce 19e siècle qui nous requiert tous les soirs de cette semaine. L'année précisément où Madame Véron Belcourt donne au Louvre cette grande toile réalisée par son époux, Alexandre, décédé 2 ans auparavant. Ce tableau a été oublié, relégué dans les réserves du musée. Pourtant, cette œuvre semble illustrer magnifiquement le rôle du Louvre dans la vision classique de l'histoire qui prévaut au XIXe et au XXe siècle. Cette œuvre, exposée au salon de 1806, s'intitule « Allégorie à la gloire de Napoléon », sous-titrée « Clio montre aux nations les faits mémorables de son règne ». La muse tient en effet une ardoise énumérant les hauts faits, les victoires et les principales réalisations de Napoléon qu'elle présente à des personnages figurant les différents peuples de la planète. À gauche, le buste de l'empereur des Français, couronné de lauriers et vêtu d'une toge, ainsi que la formule laconique « Veni, vidi, vici » prêtée à Jules César. Cet ensemble relie Napoléon à l'Empire romain dont il serait le dernier héritier. Dans le cadre de la Translatio Imperii, cette vision de l'histoire héritée de l'Antiquité et du Moyen-Âge, l'Empire napoléonien succède, au début du XIXe siècle, aux grandes civilisations qui ont éclairé le monde depuis l'Antiquité. À l'arrière-plan, vous pouvez voir le Louvre, massif et majestueux. Le Louvre qui incarne ici à la fois la civilisation et l'histoire que ce musée donne à voir aux visiteurs dans ses galeries. L'inscription « Le Louvre achevé », vous ne la voyez pas en raison de l'absence de contraste, elle figure en bonne place sur cette stèle parmi les chefs-d'œuvre de Napoléon. Mais à y regarder de plus près, cette toile apparemment hagiographique se révèle profondément ambiguë. Les peuples du monde semblent tout sauf réceptifs au message impérial de Clio. Un homme joint ses mains et lève les yeux au ciel. S'agit-il d'une expression de gratitude ou au contraire une supplique? Les yeux du personnage noir trahissent une certaine perplexité, voire de la défiance à l'égard de la démonstration de la muse.
À droite, le mandchou, reconnaissable à sa natte, et l'amérindien à ses plumes bariolées, paraissent dubitatifs et désabusés. Tandis que, à l'extrême droite du tableau, le mandarin Han, à la jolie coiffe, détourne franchement le regard. Ce grand récit bien huilé de la France sur sa propre domination du monde, ce qu'on appelle parfois tout simplement l'histoire avec une majuscule, ne paraît pas convaincre du tout les protagonistes du tableau d'Alexandre Véron-Belcourt. Nous tenterons au cours de ces 5 conférences d'appréhender les formes de ce projet mondial qui a été porté par le Louvre, en prenant également en considération les différentes manières dont il a été reçu en France et par ses visiteurs étrangers. L'année même où ce tableau allégorique entre dans les collections du Louvre, en 1851, on peut lire en première page du journal satirique Le Charivari, sous la plume de son rédacteur en chef Taxile Delors, la description suivante. On raconte des choses merveilleuses qui se sont passées récemment au Louvre. Ainsi, un visiteur entré au Louvre à l'âge de 22 ans en est sorti avec une barbe blanche. Il avait visité tous les musées depuis le premier jusqu'au dernier. Un autre visiteur s'est égaré à la recherche du musée des dessins. Perdu dans une salle du Louvre également convertie en musée, il a sans doute appelé au secours, mais l'éloignement a empêché d'entendre ses cris. Hier, on a trouvé ce malheureux momifié. On sait que les salles du Louvre ont la singulière propriété de conserver les corps et de les réduire à l'état de momie. On s'occupe en ce moment de réunir un certain nombre d'ingénieurs de la carte de France pour dresser la topographie exacte des musées. Des expéditions vont être dirigées dans l'intérieur du Louvre. On espère pénétrer cette fois plus loin que tous les voyageurs qui se sont succédés jusqu'ici. Quelques savants ont essayé de fixer au juste le nombre des musées contenus dans le Louvre. Musée de peinture, musée de sculpture, musée espagnol, musée de dessin, musée maritime, musée de la Renaissance, musée égyptien, musée assyrien, musée algérien, musée chinois, musée copte, musée hindou. Après cela, il est impossible de compter. Il y a des musées partout, dans les combles pour les hirondelles et dans les cases à l'usage des albinos. Il y a des musées où il fait froid de 20 degrés, d'autres où la température est toujours à l'état du Sahara. Des musées où l'on y voit un peu, des musées où l'on n'y voit pas du tout. On cite un employé du musée qui a trouvé le moyen de se faire 3000 francs de rente en élevant des champignons dans le musée étrusque. Il y a des musées où l'on élève des lapins dans des cabanes construites avec des tableaux. D'autres qui sont transformés en pigeonniers, d'autres en poulaillers. Dans l'angle de l'ouest, on assure que plusieurs garçons de salle ont transformé le musée phénicien en magnanerie. Ils cultivent là des vers à soie qui produisent des cocons auxquels on a décerné un prix à l'exposition de Londres. J'ai rencontré l'autre jour, écrit le journaliste, le grand critique Barbanchu, cet écrivain de tant de style et d'esthétique. Mon cher ami, m'a-t-il dit, je vous annonce une nouvelle qui doit exercer la plus grande influence sur l'avenir des beaux-arts. Laquelle ? Lui demandai-je. On va créer 162 nouveaux musées au Louvre. En vérité, l'ai-je interrogé ? La chose est certaine, et vous pouvez l'annoncer au public, nous aurons le musée des pipes, contenant tous les instruments en usage chez les différentes nations du monde et à toutes les époques, pour se livrer au plaisir de fumer, depuis le tchibouk enrichi de pierreries jusqu'au simple brûle-gueule culotté. Le musée des perruques, renfermant les perruques, toupets, gazons et autres postiches depuis le roi David, qui mettait une perruque pour danser devant l'arche, jusqu'à nos jours. Le musée des pantoufles, offrant des échantillons de toutes les chaussures usitées dans le monde, y compris les socs et les sabots. Le musée des parapluies, le musée des brosses, le musée des casquettes, le musée des assiettes, le musée des pots, le musée Huron, le musée Iroquois, le musée Auvergnat. Mais combien de temps faudra-t-il maintenant pour visiter les musées du Louvre ? Demandai-je au grand critique Barbanchu. 2 ans, me répondit-il, 2 ans. Mais on organise des caravanes et on pourra voyager en toute sûreté. Un jour ou l'autre, nous entreprendrons le voyage du Louvre. Entreprenons ce soir même, mesdames et messieurs, ce voyage extraordinaire dans les musées du Louvre.
Car, comme cet article le rappelle fort justement, au XIXe siècle, le Louvre n'est pas une seule et même institution, mais comprend un ensemble de musées différents. Nombre d'entre eux, le musée algérien, le musée ethnographique, le musée chinois, le musée mexicain, ont été inaugurés précisément à la veille de la parution de cet article, qui, de manière drôlatique, manifeste l'exceptionnelle créativité qui caractérise le Louvre au milieu du XIXe siècle. Ces nouveaux musées donnent corps à la vocation universaliste du Louvre. Ils résultent de l'expansion de la France en Afrique, en Asie, en Océanie et en Amérique latine. Leurs salles mettent en scène de manière souvent innovante cette tentative d'appropriation du monde. Ces musées, qui constituent de véritables laboratoires d'expérimentation muséographique et historique, disparaissent plus ou moins rapidement au cours du XIXe siècle. Puis, ces expériences muséales sont tombées dans l'oubli, à l'exception des conservatrices et des conservateurs du Louvre, bien entendu, et de quelques historiens de l'art qui en ont gardé la mémoire. Il est vrai que les musées étant réputés éternels, leur disparition est sans doute un sujet tabou. Ce phénomène a intrigué certains contemporains comme Charles Baudelaire, qui, en ce milieu du XIXe siècle, fréquente assidûment son vieux Louvre, affectionnant tout particulièrement le musée de marine et le musée espagnol. Il envisage, en 1858, d'écrire un texte intitulé « Musée disparu, virgule, musée à créer ». À travers ce projet inabouti, le poète nous rappelle que le Louvre, comme tous les grands musées, est une institution vivante que les femmes et les hommes ne cessent de reconfigurer à travers le temps. Jusqu'à nos jours, comme en témoigne en octobre dernier l'ouverture au Louvre d'un nouveau département dédié aux arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Nous tâcherons donc, fort modestement, de développer l'intuition de Baudelaire en examinant le Louvre comme un palimpseste, un lieu où ont été écrites et exposées des histoires de l'art aujourd'hui parfois oblitérées par le grand partage entre les beaux-arts, l'archéologie, les arts décoratifs, les arts utilitaires et l'ethnologie. Au moment où de grands musées entendent décoloniser leurs collections, il s'agit donc plutôt pour le Louvre de repeupler ses salles de milliers d'œuvres disparues ou transférées dans d'autres établissements. Envisageons pour débuter cette première partie une interrogation qui traverse le monde des musées et des historiens de l'art pendant tout le XXe siècle, la question de l'introduction des arts dits premiers au Louvre. Elle est régulièrement évoquée dans le débat public sans que cette perspective se concrétise avant 2000, année de l'inauguration du pavillon des sessions. Celle-ci marque le terme d'une étonnante amnésie collective, d'une longue période d'occultation de l'existence du musée ethnographique du Louvre. L'un des premiers musées ethnographiques du monde, fondé en 1850 sous la forme d'une annexe du musée de marine. Pour relater les origines de cette expérience muséographique singulière, puis son oubli, il convient d'adopter une démarche régressive. En inversant la chronologie, en commençant par la fin de l'histoire, nous tenterons d'échapper au piège de la téléologie pour retrouver des généalogies oubliées, des projets inaboutis, des embranchements insoupçonnés. L'introduction au Louvre des objets ethnographiques agit-elle une pierre de touche de l'histoire de l'art ? Elle contraint les conservateurs, les savants et les amateurs à repenser le périmètre du Louvre. S'agit-il d'un musée des beaux-arts ou d'un centre d'études savantes ? Ces objets dits ethnographiques interrogent la définition même d'une œuvre d'art. Quel rôle a joué le musée parisien dans le processus d'artification des pièces africaines, américaines ou océaniennes ? Pendant deux siècles, la présence ou l'absence de ces artefacts extra-européens au sein du Louvre semble nous renseigner moins sur les sociétés lointaines que sur notre propre conception de l'art et ses évolutions. Le temps du mépris est révolu, l'art primitif vient d'entrer au Louvre. C'est par ces mots qu'en avril 2000, Jacques Kerschach annonce en grande pompe l'introduction des arts premiers dans le pavillon des sessions. Il y expose 117 œuvres de son choix, opérant par là même un geste décisif dans l'histoire du musée.
Les arts d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, qui étaient, pendant près d'un siècle, au plus bas de l'échelle évolutionniste de l'histoire de l'art, trouvent enfin, en l'an 2000, leur place au Louvre. Leur présence au sein de la plus prestigieuse des institutions françaises doit manifester de manière symbolique l'égalité des cultures du monde. Les œuvres exposées proviennent majoritairement du Musée de l'Homme, et par cette translation du Musée de l'Homme vers le Louvre, ces objets ethnographiques se muent en incontestables chefs-d'œuvre de l'humanité. Sont exposés des objets d'une infinie diversité, parmi lesquels la cuillère zoulou d'Afrique australe du début du XXe siècle, le Quetzalcoatl, serpent à plumes aztèque du Mexique du XVe siècle, la maternité rouge d'Ogon du Mali du XIVe siècle, la monumentale tête Moai de l'île de Pâques des XIe, XVe siècle, ou encore la statuette féminine Chupacuaro du Mexique du IVe, IIe siècle avant notre ère, une statuette que vous pouvez ici admirer sur cette affiche de l'inauguration du pavillon des sessions. Cette œuvre, la statuette Chupacuaro, est la première acquisition du musée du Quai Branly lorsque l'établissement public est créé en 1998 et c'est ensuite devenu son emblème. Jacques Kerschach revendique explicitement une approche décontextualisante. Il faut, déclare-t-il, se débarrasser de la date et de la matière de l'œuvre, de son contexte géographique. Il faut transcender les hiérarchies esthétiques entre l'Europe et le reste du monde, mais Kerschach se garde d'interroger la notion même de chef-d'œuvre et ses présupposés occidentaux. La sélection des œuvres par Jacques Kerschach se fonde alors sur les qualités plastiques des objets, ce qui met au premier plan leur dimension sculpturale. Mais qui est donc cet audacieux Jacques Kerschach ? Et comment a-t-il pu, en n'étant ni conservateur de musée, ni responsable politique, promouvoir cette révolution muséographique ? C'est un personnage controversé, à la fois marchand d'art, collectionneur reconnu internationalement, et ancien trafiquant d'œuvres d'art. Il a en effet séjourné dans une prison gabonaise en 1965 pour vol. Jacques Kerschach œuvre précocement à la reconnaissance des arts extra-européens au sein des musées. Dès 1978, Léopold Sédar Senghor, alors président du Sénégal, le désigne conseiller technique pour développer le projet d'un musée des civilisations noires que Senghor entend créer à Dakar. Alors cette entreprise ambitieuse est interrompue en 1980 à la fin du mandat de Senghor. En 1982, au moment même où le Met de New York inaugure un département des arts primitifs, Kerschach assure le commissariat de l'exposition intitulée « Chefs-d'œuvre de l'art africain » lors du Festival Afrique Noire au musée de Grenoble, où il a réuni des œuvres des collections privées françaises. Deux ans plus tard, Kerschach officie comme conseiller pour l'exposition sur le primitivisme au MoMA. Fort de ses expériences, en 1986, il déclare sans embâge à la Villa Médicis dans la capitale italienne « Je ne pense pas que le Louvre du XXIe siècle pourra être vraiment un grand musée s'il ne comporte pas une section importante consacrée aux arts premiers dont les sculptures africaines font partie. » 4 ans plus tard, dans une pétition publiée par le quotidien Libération, signée par 150 personnalités, dont Senghor, Maurice Blanchot, Armand et Tinguely, dans cette pétition intitulée « Manifeste pour que les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux », Kerschach part en croisade, comme il l'affirme lui-même, en faveur de l'intégration des arts premiers au sein du Louvre. Le gouvernement répond par la négative, en se contentant de transformer le musée des arts africains et océaniens, l'ancien musée des colonies, en musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, au palais de la Porte Dorée. Ses œuvres demeurent donc encore enfermées dans la grille de lecture postcoloniale des élites administratives françaises. Un an plus tard, en 1991, Jacques Kerschach suggère la fondation d'un musée des arts primitifs au palais de Chaillot. En quête d'un allié, il tente, en vain, de sensibiliser le président François Mitterrand. Et finalement, l'introduction des arts premiers au Louvre est le fruit de la contingence, le résultat d'une rencontre fortuite.
En 1992, Kerschach croise le maire de Paris, Jacques Chirac, adepte des arts asiatiques et amérindiens, dans un des endroits les plus sélects du monde, la plage privée du Palace Royal Palm, à l'île Maurice. Ces deux autodidactes dans le domaine artistique s'entendent à merveille. Jacques Chirac permet à Jacques Kerschach de concevoir au Petit Palais en 1994 une grande exposition des sculptures précolombiennes des Grandes Antilles qui offre pour la première fois une vision décentrée à la suite du 5e centenaire de la « découverte » entre guillemets des Amériques. Élu président de la République en mai 1995, Chirac développe l'ambitieux projet de Kerschach. Le pavillon des sessions, inauguré en 2000, constitue un espace de préfiguration et de consécration d'un autre musée inauguré 6 ans plus tard, en juin 2006, le musée du Quai Branly. En adoptant le nom de sa localisation, le musée du Quai Branly clôt la controverse sur le caractère évolutionniste des dénominations art primitif et art premier. L'expression art primitif figure toutefois sur les panneaux d'entrée et de sortie des salles du pavillon des sessions du Louvre lors de son inauguration, tandis que la formule art premier a été préférée dans le catalogue. Ensuite, l'inauguration du musée du Quai Branly en 2006 engage un riche débat sur les arts dits premiers. Dans son discours inaugural du 20 juin, le président Chirac magnifie le rôle de ce nouveau musée d'art et de civilisation qui met en valeur la dimension esthétique des œuvres tout en les resituant dans leur contexte historique et ethnologique, afin de mieux comprendre leurs fonctions et leurs usages. Au cœur de notre démarche, déclare-t-il, il y a le refus de l'ethnocentrisme, de cette prétention déraisonnable de l'Occident à porter en lui seul le destin de l'humanité. Il y a le rejet de ce faux évolutionnisme qui prétend que certains peuples seraient comme figés à un stade antérieur de l'évolution humaine, que leur culture dite primitive ne vaudrait que comme objet d'étude pour l'ethnologue ou au mieux source d'inspiration pour l'artiste occidental. Ce sont là des préjugés absurdes et choquants. Ils doivent être combattus car il n'existe pas plus de hiérarchie entre les arts qu'il n'existe de hiérarchie entre les peuples. La réponse de l'écrivaine Aminata Traoré au discours de Jacques Chirac est cinglante. L'ancienne ministre de la Culture du Mali, qui avait participé au début des travaux du comité d'orientation du futur Quai Branly, écrit « Ainsi, nos œuvres d'art ont droit de citer là où nous sommes, dans l'ensemble interdit de séjour. Elles constituent une part substantielle du patriotisme culturel et artistique des sans-visas, et des sans-papiers qui sont quotidiennement traqués au cœur de l'Europe et qui, quand ils sont arrêtés, rendus, menottent au point à leur pays d'origine. Nous sommes invités aujourd'hui à célébrer avec l'ancienne puissance coloniale une œuvre architecturale incontestablement belle, ainsi que notre propre déchéance et la complaisance de ceux qui, acteurs politiques et institutionnels africains, estiment que nos biens culturels sont mieux dans les beaux édifices du Nord que sous nos propres cieux. Je conteste le fait que l'idée de créer un musée de cette importance puisse naître non d'un examen rigoureux, critique et partagé des rapports entre l'Europe et l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie, dont les pièces sont originaires, mais de l'amitié d'un chef d'État avec un collectionneur d'œuvres d'art qu'il a rencontré sur une plage à l'île Maurice. Les arts premiers au Louvre, cela faisait longtemps que certains l'appelaient de leurs vœux. À l'instar du réalisateur Alain René, qui regrette qu'à Paris, la sculpture africaine soit conservée non pas au musée du Louvre, mais au musée de l'Homme. C'est ce scandale qui se trouve, selon lui, à l'origine de son documentaire « Les statues meurent aussi », achevé en 1953. Ce célèbre film, co-réalisé avec Ghislain Cloquet et Chris Marker, auteur des commentaires, résulte d'une commande de la revue Présence africaine, dont le directeur Alioune Diop souhaite financer un film sur la sculpture africaine. Alors ces trois réalisateurs, à travers ce film, stigmatisent les effets de la colonisation au point que leur documentaire est interdit par la censure pendant 11 ans, au moment précisément de l'essor des mouvements nationalistes dans les colonies. Les auteurs entreprennent une éloquente réhabilitation des arts africains en conférant une égale dignité aux œuvres d'art européennes et aux œuvres africaines. Le comédien Jean Negroni, la voix off du film, déclare ainsi. «
C'est à juste titre que le noir puise dans son histoire l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Il poursuit plus loin. Les œuvres africaines entrent dans l'histoire de l'art, paradis des formes où s'établirent les plus mystérieuses parentés. Nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine vieille de 2000 ans, et encore l'Inde, les idoles sumériennes, le Christ roman ou notre art moderne. Ces sculptures méritent donc, selon les réalisateurs, d'entrer dans le plus prestigieux des musées du monde. Mais dans le même temps, ils émettent une critique radicale de l'idée même de musée, institution mortifère selon eux. Écoutons encore le commentaire de ce film. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art, cette botanique de la mort, ce que nous appelons la culture. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. Dans l'œuvre de René et de Marker, la contradiction entre la nécessaire reconnaissance et l'inévitable déchéance semble insoluble. Ce paradoxe se trouve à l'origine même des statues meurtes aussi. Dénoncer le scandale de l'absence des œuvres africaines au Louvre, tout en considérant que le musée sera leur tombeau. Cette antinomie trouve sans doute son explication dans les diverses sources dont s'inspirent les réalisateurs totalement néophytes en matière d'art africain. Les auteurs reprennent sans doute à leur compte l'analyse d'André Malraux d'abord, dans « Les voies du silence », ouvrage publié en 1951, au début de la préparation du film. Malraux montre comment les objets ethnologiques des quatre coins du monde sont annexés par les musées qui les métamorphosent en œuvres d'art. Marker et René s'inscrivent en outre dans l'affiliation de la réflexion du conservateur Georges-Henri Rivière, cofondateur en 1937 du Musée national des arts et traditions populaires qui, dès 1930, s'oppose fermement à l'introduction au Louvre des arts d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique. Rivière écrit ainsi « Sur des socles de bois d'amarante, en un isolement splendide, se prêtant coquettement aux éclairages les plus raffinés, soigneusement épilés, ébarbés, dénudés et astiqués, se dresseraient des chefs-d'œuvre de l'art paouin, polynésien et aztèque. » Selon Georges-Henri Rivière, ces objets ne doivent pas flotter comme en apesanteur dans un musée des beaux-arts, un monde totalement déconnecté de leur histoire. Il entend protéger la dimension ethnologique de ces objets en les réinsérant dans leur vie d'autrefois, en étudiant leurs usages sociaux vernaculaires et en évitant le processus de laïcisation qui les dégrade du statut d'objet cultuel à celui d'une œuvre culturelle. Au même moment, en mai 1931, Marcel Griot et Michel Léris rédigent les instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques, c'est-à-dire juste avant le départ de la mission Dakar-Djibouti. Les deux ethnologues donnent la définition suivante. Une collection d'objets ethnographiques n'est ni une collection de curiosités, ni une collection d'œuvres d'art. L'objet n'est pas autre chose qu'un témoin qui doit être envisagé en fonction des renseignements qu'il apporte sur une civilisation donnée et non d'après sa valeur esthétique. Il faut donc s'habituer à recueillir toute espèce d'objet et se défaire en premier lieu de deux préjugés, celui de la pureté du style et celui de la rareté. Suivant les recommandations des savants, ces objets dits ethnographiques ont déjà pris place depuis plusieurs décennies dans diverses institutions, notamment des musées d'ethnographie qui appréhendent ces collections selon un paradigme fonctionnaliste. Et puis de nouveaux établissements, les musées coloniaux de province, accueillent également quelques objets extra-européens à partir de la fin du XIXe siècle, à Marseille, à Nancy, à Lille, à Bordeaux ou encore à Lyon. En 1928, pour donner à voir l'œuvre civilisatrice de la France dans les colonies et les richesses de l'Empire, a été créé le Musée permanent des colonies, inauguré en 1931 lors de l'exposition coloniale internationale, dans un bâtiment construit pour l'occasion, le Palais de la Porte Dorée. Alors pourquoi les réalisateurs des statues ne meurent jamais ? Convaincus par la critique ethnologique des musées d'art, ont-ils tout de même pris comme point de départ la regrettable absence de l'art africain au Louvre.
Eh bien, on peut penser que Charles Raton, leur conseiller artistique officiel, a exercé une influence décisive. Ce galériste, proche d'Alioune Diop, le patron de la revue Présence africaine, a effectué lui-même un travail décisif en sélectionnant les 135 œuvres montrées dans le film et en se chargeant, selon les propres mots d'Alain René, de l'éducation artistique des réalisateurs. Ces derniers ne peuvent ignorer que leur mentor réclame l'introduction des arts primitifs au Louvre depuis de nombreuses années. Il faut dire que Charles Raton collectionne ces objets et organise à partir de 1930 plusieurs expositions, n'hésitant pas à faire cohabiter, fin mai 1936, des œuvres très diverses. Des masques esquimaux, des peintures de Salvador Dali, des objets perturbés comme une fourchette déformée par l'éruption du Mont Pelé en 1902, les ready-made de Marcel Duchamp, ou encore des poupées Hopi et des têtes momifiées Jivaro. Alors que les arts dits primitifs n'ont pas encore intégré l'histoire officielle de l'art, les galéristes et les marchands comme Raton jouent le rôle décisif de passeurs. Une trentaine d'années après la réalisation des statues meurtes aussi, au milieu des années 1980, Charles Raton, au crépuscule de sa vie, n'a pas renoncé à son rêve. Il propose de céder sa riche collection au Louvre. Selon le journaliste du Monde Emmanuel Deroux, le musée aurait refusé, en raison de son souhait de créer une salle à son nom et de son attitude sous l'occupation. La raison principale de ce refus n'en demeure-t-elle pas néanmoins plus simple ? Le Louvre n'accueille pas les arts primitifs en son sein. Les arts lointains iront-ils au Louvre ? Cette question a déjà été posée, on ne peut plus explicitement, en 1920, dans trois numéros consécutifs du bulletin de la vie artistique. Le critique d'art Félix Fénéon y lance une enquête en trois volets pour savoir si les arts lointains doivent entrer dans le grand musée parisien. L'anarchiste et anticolonialiste Fénéon est également un grand collectionneur d'art africain, d'art océanien, mais aussi des avant-gardes post-impressionnistes. Pour répondre à cette question, il consulte 20 artistes, historiens de l'art, ethnographes, explorateurs, militaires, collectionneurs et marchands d'art. La discussion, qui se focalise rapidement sur les arts africains, porte moins sur le statut de ces objets extra-européens que sur leurs conditions d'admission et de réception au Louvre. Une minorité exprime ses réticences, révélant sans doute par là même le point de vue d'une grande partie des élites françaises à cette époque. Ainsi, le collectionneur Paul Rupalet reconnaît que les peuples non civilisés possèdent leur propre forme d'art. Mais cet art, écrit-il, est d'une nature très spéciale et n'a rien à gagner, à mon avis, à être confronté avec les arts des peuples civilisés. En outre, je trouve peu souhaitable sa représentation dans le musée du Louvre, écrit-il, à cause de la dissémination qui en résulterait. Quant à la vertu enseignante que peuvent avoir ces arts des primitifs, je la crois à peu près nulle, sinon néfaste, à en juger par certaines productions contemporaines qui prétendent s'en inspirer. Il ne faut pas oublier que l'art primitif, par définition, est un art qui n'a pas profité des progrès de la civilisation et de l'esprit humain. Cette conception évolutionniste de l'histoire de l'art est partagée par le colonel Grossin. Colonel Grossin qui, fort de son expérience coloniale, exprime brutalement son point de vue sans prendre soin de le justifier. Non. Ce que j'ai vu chez ces populations peu évoluées, celles de l'Océanie par exemple, ne mérite pas le Louvre. Ce principe de hiérarchisation évoqué par Grossin peut justifier au contraire, dans l'esprit du compositeur de musique Georges Migaud, la présence des arts primitifs au Louvre afin de donner à voir au public leur intrinsèque infériorité. Quant aux spécimens des arts nègres et négroïdes, écrit-il, il serait bon d'y mettre les meilleurs. Leur étude nous permettrait peut-être d'affirmer que toute race qui n'a pas produit des chefs-d'œuvre est incapable d'un développement matériel et social. Toutefois, suivant le même argument, Jean Guifray écarte cette idée d'intégrer un échantillon des arts africains avec toute l'autorité du conservateur des peintures au Louvre.
Les civilisations se ressemblent à leur origine, écrit-il, quelques-unes sont restées dans l'enfance. Il serait paradoxal de rapprocher leurs balbutiements, si curieux soit-il, des œuvres les plus parfaites du génie humain pour lesquelles le Louvre déjà manque de place. La majorité des contributeurs soulignent cependant les grandes qualités formelles des arts lointains en tirant des conclusions différentes. Le marchand d'art Paul Guillaume affirme que ses œuvres offrent une clé d'explication décisive et méritent d'être mieux connues avant d'entrer prématurément au Louvre. Il écrit prudemment « Aucun art n'ayant influencé plus directement la plastique d'une époque, l'art nègre entrera au Louvre comme une explication nécessaire en même temps que les œuvres qu'il inspira. » Mais nulle hâte ne doit être apportée à cette réalisation, nulle crainte, nulle impatience surtout. Car il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas encore en ce moment une élite officielle en mesure de choisir avec tout le discernement désirable les pièces à la fois significatives et authentiques qui seules méritent une consécration définitive. Pour l'ethnologue Arnold van Gennep, il en va du respect des droits de l'homme ainsi que d'un impératif scientifique. Il considère qu'il n'y aurait aucun inconvénient à ce que des exemples bien choisis d'art sauvage fussent exposés au Louvre afin, écrit-il, de contribuer à détruire un certain nombre de préjugés ridicules et d'être conforme à la tradition française qui apprécie et évalue les hommes d'après leurs qualités et leurs œuvres et non d'après leur couleur de peau. De manière originale, le fondateur de la science du folklore identifie la principale vertu des arts dits primitifs en concluant sur la nécessité de la prise en compte de l'altérité dans l'exercice de la réflexivité. Il écrit « Il faut au moins rappeler que le plus utile et le plus stimulant est ce qui est autre, ce qui est différent de l'habitude. » Plus radical encore, Lucie Cousturier, écrivaine et peintre, Lucie Cousturier affirme l'impérieuse nécessité d'intégrer les arts lointains dans les collections du Louvre. Elle publie la même année « Des inconnus chez moi », un récit qui relate l'accueil dans sa maison de Fréjus de tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Lucie Cousturier considère que cet apport permettra de retrouver le principe même du musée. Elle écrit « Quand après le British Museum, le musée du Louvre recevra l'art nègre. Il y trouvera non son complément, mais son principe. C'est peut-être ainsi, d'ailleurs, à rebours, que se constitue un musée. » C'est pourquoi le poète Charles Vignier, également interviewé lors de cette enquête, expert en art asiatique, propose de rompre avec le conservatisme du Louvre. Un musée qui est, selon lui, structuré par des départements aux délimitations très strictes. Selon lui, cette structuration par département interdit l'insertion de nouvelles collections qui ne correspondent pas a priori à ce cadre rigide. Pire, cette structuration conditionnerait notre vision d'une histoire linéaire et gradualiste de l'art que les arts lointains doivent précisément révolutionner. Alors la grande enquête de Fénéon s'inscrit directement dans le contexte du développement des études savantes sur les arts primitifs. Des arts extra-européens dont la valeur est mise en exergue par un nombre croissant d'auteurs. Ainsi, un an avant la parution de ce dossier dans le bulletin de la vie artistique, le critique d'art Henri Clouzot et le collectionneur André Level situent résolument les arts africains et océaniens dans l'histoire longue de l'humanité, en leur conférant le statut de civilisé et même une espèce de parenté généalogique avec l'Europe. Ils inscrivent ainsi l'Afrique dans l'histoire mondiale. Quant aux nègres, écrivent-ils, peut-on oublier les échanges de toute nature depuis l'Antiquité la plus reculée entre le cœur de leur continent, le Soudan, et l'Empire des Pharaons ? On se trouve en présence d'une suite issue d'anciennes civilisations, rameau de la souche unique dont descend aussi la nôtre. Ces travaux savants sont produits par des amateurs, des érudits et des collectionneurs en marge de l'université et intrinsèquement liés au nouveau marché de l'art primitif dont ils sont d'ailleurs les principaux promoteurs à partir des années 1910.
Par ce biais, les artistes avant-gardistes, André Derain, Henri Matisse, Pablo Picasso ou encore Georges Braque, acquièrent des statuettes africaines. En 1914, Paul Guillaume ouvre au 108 rue du Faubourg Saint-Honoré une boutique dédiée aux sculptures nègres et à l'art moderne, à une époque où existe une perméabilité dans le goût des collectionneurs entre ces deux formes d'art. Dans sa galerie, Paul Guillaume organise en avril-mai 1917 une exposition de sculptures nègres afin de mettre en valeur sur des socles ces objets comme des œuvres d'art à part entière. À défaut de mettre à l'honneur les artistes anonymes, il indique le nom des célèbres collectionneurs sur le catalogue. Ici, par exemple, on peut voir une statuette du Soudan et un masque du Gabon appartenant au peintre Henri Matisse. Paul Guillaume regrette que la France, contrairement aux autres pays occidentaux, relègue ces objets dans des musées dédiés. Il s'inspire sans doute ici du poète et théoricien de l'art Guillaume Apollinaire, qui collectionne des sculptures africaines depuis 1910. Apollinaire institue avec force le statut artistique de ces objets, osant écrire dès 1909 que le Louvre devrait accueillir certains chefs-d'œuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale. Mais 3 ans plus tard, Apollinaire abandonne cette proposition au profit du projet de fondation d'un grand musée d'art exotique qui serait à cet art ce que le Louvre est à l'art européen. Car selon lui, la singularité des arts primitifs nécessite d'inventer des dispositifs muséographiques et scénographiques spécifiques. Apollinaire regrette la propension des artistes et des collectionneurs européens à esthétiser les arts non occidentaux aux dépens de l'étude des fonctions et des usages de ces objets. Il invite donc les amateurs à la prudence en attendant le développement de ce nouveau champ de recherche. Dans l'état actuel de l'anthropologie et de la science de l'art, écrit-il, il serait téméraire de vouloir disserter avec certitude sur ces idoles nègres qui excitent d'autant plus la curiosité de leurs amateurs que les renseignements manquent touchant leur origine et que jusqu'à ce jour, aucun nom d'artiste n'a pu être prononcé. Apollinaire s'intéresse bien sûr aux collections du musée d'ethnographie, au Trocadéro, mais déplore qu'il soit presque complètement abandonné par l'administration. Administration qui laisse les œuvres d'art s'entasser pêle-mêle dans les vitrines parmi les ustensiles de ménage et les défroques sans intérêt artistique. Au Trocadéro, les gardiens font totalement défaut au point que les collectionneurs, à l'instar de Tristan Tzara, volent des pièces directement dans les réserves. Ainsi, certaines pièces de la vente aux enchères de la collection de Tristan Tzara possédaient encore leur étiquette du musée du Trocadéro. Cependant, si l'on fait abstraction du cénacle restreint des amateurs d'art primitif, il faut bien dire que l'immense majorité des historiens de l'art et des conservateurs français remettent en cause la valeur artistique de ces artefacts. Comme en témoignent les discussions à l'occasion de la fondation du musée d'ethnographie du Trocadéro en 1878. Les membres de la commission d'installation du musée d'ethnographie semblent animés par une vision évolutionniste de l'art comme étant l'expression la plus élevée du génie humain. Ainsi, Eugène Viollet-le-Duc distingue les œuvres d'art possédant une valeur telle que toute comparaison est superflue, et puis les objets ethnographiques dont l'intérêt est purement relatif, qui n'acquièrent de valeur que par la comparaison. Viollet-le-Duc, disciple de Gobineau, dénie aux populations africaines la capacité même de devenir artiste. Il écrit « Quant aux Noirs, dépourvus de ce régulateur qui n'abandonne jamais l'esprit du blanc, incapable de fixité dans ses idées, il laisse son imagination s'égarer jusqu'à concevoir et à enfanter des monstres en toutes choses. Il est adroit, subtil, ingénieux, mais trop fantasque pour être artiste, comme nous l'entendons depuis l'Antiquité. » Car il n'y a pas d'art sans loi, sans principe. Son collègue Oscar de Vatteville, directeur des sciences et lettres au ministère de l'Instruction publique, considère pour sa part que le nouveau musée ethnographique ne peut et ne doit pas comprendre la manifestation la plus élevée et en même temps la plus spéciale de l'esprit humain, l'art. Tout objet artistique est réservé, écrit-il, pour les collections du Louvre, qu'ils proviennent de l'Italie ou de la Grèce, de l'Orient ou de l'Égypte.
Affirmation pour le moins étonnante, alors qu'il existe déjà un musée ethnographique au Louvre depuis un quart de siècle. Ainsi, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, les contempteurs comme les promoteurs des arts dits primitifs réactualisent en permanence ce débat sur leur valeur artistique en convoquant le Louvre en tant qu'allégorie de l'art légitime et non comme institution muséale. Ils ignorent donc, volontairement ou involontairement, l'histoire du musée ethnographique du Louvre. Premier du genre en France, inauguré le dimanche 11 août 1850 à 10h du matin. Ce nouveau musée d'objets d'art et de curiosités recueillis chez les différents peuples de la Terre semble dès l'origine travaillé par une tension entre vocation artistique et exigence scientifique. Situé au deuxième étage du pavillon nord-ouest du Louvre, on peut lire en haut de sa porte d'entrée écrit en lettres d'or « Musée ethnographique, 1850 ». Il s'agit en fait d'une annexe du musée de Marine, une grande salle de 100 mètres carrés. Que trouve-t-on sur ces grandes tables et dans ces armoires de chêne peintes en rouge acajou ? Une extraordinaire collection d'objets hétéroclites des peuples qu'il est convenu d'appeler sauvages, écrit le conservateur Léon Morel Facio, des armes, des bijoux, des costumes, des bas-reliefs, des jeux, des outils, des amulettes, la vaisselle en argent du dernier dé d'Alger, des haches de pierre peau rouge, des pirogues océaniennes, des statues indiennes de divinités, des fétiches africains, des nacres et des ivoires chinois, des statuettes mexicaines, etc. Au total, 2760 pièces. Grâce à l'inventaire du musée, nous connaissons la répartition géographique des collections en 12 sous-sections. L'Asie orientale avec 1044 pièces et le monde pacifique avec 738 pièces apparaissent surreprésentés par rapport aux autres régions du monde, en raison bien sûr des nombreux objets rapportés par les explorateurs, les voyageurs, mais aussi les missionnaires, les militaires et les diplomates. Face à ce nouveau musée, les publicistes semblent partagés. Trésor extraordinaire pour certains, capharnaüm pour d'autres. Les commentateurs s'interrogent tous sur la logique de classement. Le journaliste Alexandre Privat d'Anglemont, icône de la bohème parisienne, se félicite de cette création qui autorise d'utiles comparaisons. Ainsi, il identifie les seules pièces européennes de cette collection, quelques armes et pierres uniques provenant de Scandinavie, qui lui permettent de remettre en question la supposée supériorité de l'Europe du Nord-Ouest sur le reste du monde. Quant au travail des Scandinaves, écrit-il, il est grossier, dur et de beaucoup inférieur aux gravures du même genre exécutées par les sauvages. Les haches de pierre des peaux rouges de l'Amérique sont d'un fini plus précieux et d'une forme plus élégante que toutes les armes scandinaves. Dans le même temps, Privat d'Anglemont critique sévèrement la scénographie de cette grande salle mal éclairée, où il est impossible pour les visiteurs d'identifier précisément la provenance des objets. Ce musée s'apparente selon lui à un cabinet de curiosité, un cabinet conçu pour les artistes et par un artiste, le peintre de Marine Léon Morel Facio, le premier directeur de l'institution. Le journaliste écrit « Nous sommes obligés d'avouer qu'il n'a point réussi, qu'il a fait du joli, du propre, mais que ce n'est pas là un travail de conservateur. C'est un décor, une œuvre d'artiste de goût à l'usage des yeux du public qui n'a pas besoin d'étudier, et non de celui qui veut faire des recherches sérieuses. » Au contraire, l'enseignant Jean Fleury salue les extraordinaires vertus pédagogiques du nouveau musée. On apprend plus d'histoire et de géographie dans une visite d'une heure au musée ethnographique que l'on en apprendrait en 6 mois de gros traités, écrit-il. Ce pédagogue estime toutefois que 2 éléments font cruellement défaut à ce nouveau musée. Les étiquettes, c'est-à-dire les cartels, et des cartes géographiques afin de localiser l'origine des objets. Ces propositions concrètes d'amélioration ont-elles été prises en compte après 1850 ? Rien n'est moins sûr. Aucune méthode scientifique n'a été suivie dans l'ordonnance de la collection ethnographique, assure l'helléniste et indianiste Émile Burnouf,
qui relate avec précision et ironie sa visite du musée en novembre 1876. Burnouf poursuit. Les nations y sont mêlées comme si les objets qui les représentaient avaient été jetés ensemble et tirés au sort. Le seul but que l'on se soit proposé a été de présenter à l'œil une sorte de symétrie entre des objets similaires, égaux en volume et en couleur. Burnouf y voit le principe ordonnateur de ce nouveau musée. Et notamment les panoplies exposées sur les murs, tel un trophée composé à la manière d'un magnifique bouquet d'armes provenant de Chine, des îles Fidji, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Amérique du Nord. Le principe ordonnateur qui a été retenu, eh bien, c'est cette quête d'une homologie des formes, d'une homologie des couleurs et même des noms qui donnent lieu à des mises en scène cocasses. Burnouf constate ainsi que l'on voit un Bouddha de marbre doré entre deux chefs indiens du Brésil et comme pendant un autre Bouddha en bois doré entre deux chefs peaux rouges. Il semble, écrit-il, que le mot « indien » appliqué au naturel de l'Amérique et aux riverains du Gange et de l'Indus ait été la seule raison qu'on ait eue de faire ces rapprochements monstrueux. Dès 1869, l'intégrité des collections ethnographiques est menacée par une demande émanant d'un conservateur du Musée des Antiquités Nationales. Alexandre Bertrand suggère au surintendant des Beaux-Arts, Émilien de Nieuwerkerk, qu'une partie des objets soit transférée au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, un musée fondé quelques années auparavant, en 1862. Le fondateur du musée ethnographique, Léon Morel-Facciot, parvient à s'opposer à cette première tentative de transfert. À la même époque, certains responsables du musée reconnaissent eux-mêmes les problèmes posés par les collections ethnographiques au point de remettre en question la légitimité de leur présence au sein du musée du Louvre. Ainsi, en 1871, une circulaire interne admet qu'un grand nombre d'objets ethnographiques réunis dans une ou plusieurs salles n'offrent qu'un intérêt de curiosité d'un ordre tout à fait secondaire dans un établissement destiné à l'exposition des produits de l'art le plus élevé. Après la disparition opportune de Morel-Facciot en 1871, la direction des musées, convaincue de la nécessité de se débarrasser de ses collections, invoque la création d'un musée ethnographique au Trocadéro en 1878 pour justifier le transfert des artefacts vers d'autres institutions. Il faut toutefois attendre 1905 pour que le ministère de l'Instruction publique autorise officiellement le départ des collections du Louvre. En l'absence de place disponible au Trocadéro, de nombreux objets sont en fait transportés entre 1907 et 1911 au musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. La salle de Mars, sur place, y accueille dès lors une section ethnographique qui offre un point de comparaison avec les collections archéologiques françaises. D'autres artefacts ont été déplacés en 1923 au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle et au Musée chinois de Fontainebleau. Le musée d'ethnographie du Trocadéro finit par récupérer ensuite une grande partie de cette collection entre 1909 et 1929. Mais comme en témoigne un rapport de 1931 sur les recensements, en dépit de ces mouvements successifs, des objets ethnographiques censés avoir été transférés au Trocadéro ou ailleurs subsistent dans les magasins du Louvre. Le Louvre conservait en fait des objets de type ethnographique avant même l'inauguration de ce musée ethnographique en 1850. Ces collections étaient exhibées dans une pièce, dénommée la salle de la sauvagerie, décrite sur une simple feuille de brouillon conservée aujourd'hui au Musée national de la Marine. Le gouvernement de la Seconde République y rassemble alors des objets de 83 régions différentes, du Japon, de Chine, du Groenland, des grandes plaines d'Amérique, des îles Samoa, mais aussi du Danemark préhistorique. Le Louvre prend ainsi le pas sur la Bibliothèque royale, qui, bien que possédant d'importantes collections ethnographiques, abandonne en décembre 1846 l'idée de créer un musée ethnographique en son sein. Cette salle de la sauvagerie succède en fait à la salle numéro 7,
véritable cabinet de curiosité où sont exposés à partir de 1830 des outils, des armes et des objets rares et curieux des contrées lointaines. Le 29 juillet 1830, pendant la Révolution, des Parisiens entrent dans le musée, brisent la statue du dauphin Louis-Antoine, le fils de Charles X, volent 10 casse-têtes, 10 arcs, 40 flèches, 20 piques et des sagaies, considérés comme des trophées de guerre et peut-être utilisés comme armes au cours des affrontements qui suivent. Pour décorer cette salle, le Louvre récupère quelques pièces conservées dans les greniers de la Bibliothèque nationale et au Muséum d'histoire naturelle. Puis, des artefacts de l'école de santé de Brest et du port de Rochefort rejoignent également cette salle numéro 7. Cette salle numéro 7 accueille en outre 91 lots de pièces précolombiennes, océaniennes et africaines, acquis en 1827 à l'occasion de la vente du cabinet de Dominique Vivant Denon. Vous pouvez voir à l'écran une des gravures du catalogue de cette vente, une gravure intitulée « Monuments barbares, temps incertains ». Cette collection de Vivant Denon devait former l'embryon d'un musée des peuples sauvages. En effet, au printemps 1826, Christophe de Chabrol de Crouzol, ministre de la Marine, discute avec le ministre de la Maison du Roi de la création d'un véritable musée ethnographique. Chabrol charge même secrètement les explorateurs comme Jules Durmont d'Urville, commandant de l'Astrolabe, d'enrichir les collections du Louvre. Pour ce faire, il lui adresse des instructions précisant que les pièces prélevées sont destinées au Muséum royal. Ainsi, environ 200 artefacts océaniens, rapportés en 1829 par l'équipage de l'Astrolabe, intégreront finalement quelques mois plus tard les collections de cette fameuse salle numéro 7. Finalement, le ministre de la Marine abandonnera son projet de musée des peuples sauvages au profit du musée naval dont nous parlerons demain. En août 1827, précisément au moment où le gouvernement du roi Charles X envisage la création d'une salle dédiée aux objets ethnographiques, 6 individus déambulent dans les couloirs du Louvre. 4 hommes de grande taille, dont le dénommé Petit Chef, torse nu, chaussé de mocassins, le visage peint en rouge et bleu, paré de peau et de 3 plumes d'aigle à l'arrière du crâne. 2 femmes les suivent, cheveux noirs de jais plaqués avec de la graisse de bison, drapés dans une étoffe aux motifs géométriques. L'étrange cortège suscite la curiosité des badauds. Mais ils y sont accoutumés, ayant rencontré nombre de curieux depuis qu'ils ont quitté, au début de l'année, leur Missouri natale, de l'autre côté de la Grande Eau, c'est-à-dire l'Atlantique. Ils se sont d'abord rendus à la Nouvelle-Orléans, avant de rallier avec une cargaison de pelleteries le Havre fin juillet 1827. Ces robustes guerriers et chasseurs de bisons n'ont manifestement pas froid aux yeux et poursuivent leur visite du Louvre sans prêter attention aux réactions du public. Quant au détour d'une salle des antiques, ils tombent nez à nez avec le conservateur. Nos visiteurs, comme la plupart des Français d'alors, ignorent qu'il s'agit de l'un des plus grands savants français de tous les temps, Jean-François Champollion, qui a déchiffré la mystérieuse langue des pharaons et publié 3 ans auparavant son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens. Le père de l'égyptologie, lui, reconnaît immédiatement ses visiteurs de marque. Ce sont les fameux osages, les vedettes du Nouveau Monde, dont la presse relate quotidiennement le parcours et les exploits, notamment les visites de la Bibliothèque royale et de la cour du Grand-Père Blanc, ainsi qu'il surnomme Charles X, souverain d'un pays longtemps présent sur les terres des Osages, le roi auquel ils font même fumer le calumet de la paix. Cette rencontre inopinée marque profondément Champollion, qui se passionne alors pour l'Amérique. Adepte des romans de Fenimore Cooper, notamment du Dernier des Mohicans, qu'il se fait lire pendant ses longues crises de goutte, le savant se remémore quelques mois plus tard, le 16 janvier 1828, cet épisode extraordinaire dans une lettre adressée à son amie Angelica Pali, poétesse toscane d'origine grecque. On a pu parler dans vos journaux d'une petite troupe de sauvages américains de la tribu des Osages, qu'un capitaine de vaisseau s'est imaginé de conduire à Paris.
Ces bonnes gens avaient conservé le costume de leur nation et vous devez vous figurer quel effet cela dut produire sur nos badauds de Paris. Le chef de ces osages, accompagné de 3 guerriers et de 2 femmes, vint visiter le palais du Louvre et je l'ai trouvé dans l'une des plus magnifiques salles du musée, ornée de riches colonnes des marbres les plus précieux, de tout le luxe des arts et remplie des chefs-d'œuvre de la sculpture antique. Le contraste de ces hommes presque nus et de ces figures stupidement immobiles, au milieu d'objets qui remuent si puissamment les idées et les sens des êtres civilisés, avait quelque chose d'affligeant. Alors, comment interpréter cette description ? Champollion cède-t-il ici à l'européocentrisme en reprenant à son compte les clichés de la supériorité de la civilisation occidentale ? Bien au contraire, l'égyptologue poursuit. Ce contraste avait quelque chose d'affligeant. Et je ne sais encore si c'était pour les sauvages ou pour nous. L'orgueil de la civilisation nous commande de dire que tout le tort était du côté des sauvages. Quoi qu'il en soit, une foule de belles dames parisiennes, élégantes et merveilleuses au premier degré, se pressaient autour de ces enfants de la nature sans même s'apercevoir du froid dédain avec lequel leur curiosité était accueillie. Ni remarquer le peu d'impression que leur charme et leur parure au dernier goût produisaient sur les héros de la fête. Champollion se montre plein d'empathie et se met à la place des osages pour inverser les rôles habituellement attribués à la civilisation et à la sauvagerie. Il écrit « Une femme osage s'appelait Mianga ». Ses traits étaient agréables, malgré la teinte de sauvagerie qui se mêlait singulièrement à une physionomie à la fois grave et douce. Le beau monde qui l'entourait n'obtint point un seul regard. Mianga paraissait toute renfermée sur elle-même. Elle se lève tout à coup, après avoir jeté un coup d'œil autour de la salle, traverse la foule, se dirige à pas comptés vers une colonne du fond et s'assied dans l'ombre projetée par la colonne, la face tournée vers le mur. Là, croisant ses bras sur les genoux, la tête baissée et les yeux fermés, elle commence à demi-voix un chant lentement cadencé et d'une tristesse déchirante. Je l'avais suivie, mais je me tenais à une certaine distance. Les belles dames n'imitèrent point ma discrétion. Elles entourèrent de nouveau la plaintive osage, qui, tout entière à ses souvenirs, prolongea sa chanson pendant une demi-heure. Sans se douter de la sotte curiosité qui, sans comprendre ses douleurs, voyait un frivole amusement là où la pitié, la sympathie et la compassion pouvaient seules trouver une place. Cette pauvre malheureuse pensait sans doute à son pays et aux êtres chéris qu'elle avait laissés, et nos belles parisiennes riaient. Je vous demande qui de Mianga ou de ces dames méritait le nom et l'accoutrement de sauvage. Finalement, ces Amérindiens visitent autant le musée qu'ils en constituent les objets d'une exposition ou d'une performance temporaire. Incarnant une civilisation, un monde en train de disparaître, ils fascinent Champollion, qui, au même moment, entend faire revivre la première civilisation disparue, l'Égypte. Après quelques semaines de célébrité warholienne, les Amérindiens exhibés ici et là sont abandonnés et errent sans ressources jusqu'à Montauban, d'où l'évêque local, autrefois en Louisiane, les aide à repartir aux États-Unis. Ils y parviennent enfin après avoir perdu 3 des leurs. Le Louvre fut ainsi un extraordinaire laboratoire ethnographique. Impossible à saisir selon un récit linéaire et progressif. En effet, la préhistoire de l'ethnographie au Louvre remonte sans doute à la seconde moitié du XVIe siècle, au moment où Charles IX fait rassembler dans ce palais les collections du cabinet de curiosités de François Ier, dispersées ensuite sous Henri III, avant d'être regroupées au sein de la Bibliothèque royale. Depuis le XVIe siècle, des palais aristocratiques accueillent des cabinets d'histoire naturelle et de curiosité où sauvagerie, trophées et minéraux se côtoient. Ils proviennent de la nouvelle mode de collecte d'exotica par les voyageurs et les marins.
À partir du XVIIIe siècle, des guides à destination des voyageurs listent les objets à rapporter au jardin du roi. Le Muséum national d'histoire naturelle, fondé en 1793, les confie à la Bibliothèque nationale. Louis-François Joffret, le secrétaire perpétuel de la Société des observateurs de l'homme, créé en 1799, Louis-François Joffret promeut, au tournant du siècle, la création d'un muséum spécial pour exposer tous les produits de l'industrie des sauvages. Ce même Joffret, entre 1800 et 1803, dispense des cours sur les races et leurs coutumes dans la salle des ducs et pairs du Louvre. In situ, deux siècles précisément avant l'inauguration retentissante du pavillon des sessions, il utilise deux fois par semaine des artefacts extra-européens, notamment des objets d'Océanie, à des fins pédagogiques. L'ethnographie, donc, loin d'être une pièce rapportée, appartient bien à l'ADN du Louvre, musée d'art et de sciences. Je vous remercie de votre attention.